c'est la rage. C'est pas parler. Ils sont venus avec le cœur. Ils savent qu'ils sont pas forts. Mais mon ami, une souris qui a la rage peut défier un lion. Une souris qui a la rage peut défier un chat. Une souris qui a la rage peut défier un chien. Tout dépend de la rage qui est en toi. On a des bluffeurs. Ouais. Ouais, moi, il dit ça. Dis à ton balai où tu es parti là. Faut parler au petit là. Hein. Faut leur parler. Faut parler au petit là. Nous, on est fatigué de subir. Voilà. On est fatigué d'être en colère. On est fatigué d'être en boule. Allez-tu au petit plaisanter de blogueurs qui aiment faire les vidéos parce qu'ils aiment laper le cuir des footballeurs pour avoir l'argent. Moi, je ne lape pas le cuir de quelqu'un. Voilà. Personne ne me paye à la fin du mois. Et je n'attends pas l'argent de quelqu'un. Ils ont leurs millions, j'ai mes millions. Mais on parle de la patrie. On est au Cameroun. On n'est pas dans un autre pays. Le pays de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o assis, Drogba assis. Ce soir, Samuel Eto'o en train de se moquer de Drogba. Ah, tes petits, ils ont Zaïen. Sierra Leone, quand même. Drogba, ça là. C'est toi, moi j'ai dit, regarde le Cameroun. Cameroun, il ne s'amuse pas. Tu regardes le capitaine du Cameroun là. Tu sens que c'est un Kunta Kinte. Son visage, tu sens que c'est un guerrier. Il est comme ça. Il n'est pas beau. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Facebook. Lui n'est pas dans TikTok. Tout le footballeur là, c'est les réseaux sociaux qui ont gâté le nom. Et le Macaï fait vidéo. Il va faire vidéo. Pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Nous, on s'en fout de vidéos. Ce qu'on a besoin des champions, c'est la coupe. Maudit avec expliquer ça combien de fois. Maudit avec appeler ça combien de fois. Nous sommes en compétition. Le président de la Somme va tenter de développer notre pays. Montrer ça sur le terrain. Avec expliquer ça combien de fois. Ah, mais Nicolas, ils ont bien joué. Mais là, c'est un jeu contre l'Algérie. Ok. En ce jeu contre les champions. Vous, c'est quand vous êtes toujours au pied du mur. Soit vous nous doigtez à la fin. Soit vous montrez de quoi vous êtes capable. Et les champions dormez en paix. Vous nous connaissez, on se connaît. Pression que vous n'avez jamais vue dans vos villes. Non, on vous donne ça. Palpitation. C'est lui que vous allez rentrer contre l'Algérie. Là. Vous allez sentir chaque Ivoirien son couteau derrière vous. Match là. Et lui, éléphant de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. Vous allez regarder vidéo, après vous me connaissez, vous connaissez. Vous n'avez pas le choix. Tout en fait là. Vous allez ramener ça bien ici. Sinon, quand 2023, enlevez ça dans vos yeux. Les bailoqués ne vont pas venir jouer devant nous ici. Les maudits ne vont pas venir jouer nous ici. On n'a plus besoin de maudits dans notre équipe. C'est pour ça que la fédération a donné ça à Drogba. Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer d'équipe nationale. C'est des gosses, c'est pas des guerriers. Eh Dieu! Oh, oh, mon cœur me fait mal. Qu'au Sierra Leone. Non, faut pas minimiser les équipes. On est quand même, on est quand même considéré Sierra Leone. Même si on est maudit. Donner Sierra Leone à comme on appelle à Cameroun, c'est quand Cameroun ne s'amuse pas. Ils connaissent les grandes équipes. Ils connaissent les petites équipes. C'est pour ça qu'on fait le classement. Mais qu'on va aller faire les tirages au sol. On met les têtes. Puis on dit ceux-là, c'est les palmas, c'est les grands. Et puis on met les petits. Tu joues avec un petit, c'est 5 à 1. C'est là-bas, là, eux vont pas les meilleurs buteurs. C'est là-bas, on fait sortir pour eux. C'est sur les petites équipes qu'on fait sortir notre droit. Parce que match contre Algérie, là, champion, après ça, là, c'est 8e de finale. Hein. Donc contre Algérie, là, si tu as cassé le terrain là-bas, je crois que c'est 8e de finale. Là-bas, on te tape en même temps. Hein. Donc on s'amuse pas là-bas. Donc on n'est pas dans un amusement. Il y a des équipes qui sont collées qui nous attendent. On dit Côte d'Ivoire Mali. On dit Côte d'Ivoire Mali. Tu dis que les Maliens vont jouer nous. À tous, ils sont enragés. Ils guettent notre pays. Ils disent c'est à d'autres en train de quelques problèmes dans les pays. Donc ils vont monter ça sur nos joueurs. On dit Côte d'Ivoire Guinée. Oh, voilà, il dit là, il carte. Côte d'Ivoire Guinée. On dit Côte d'Ivoire Burkina. Vous connaissez bien que nous, les pays de la sous-région, là. Et mais ils sont en Burkina dans Côte d'Ivoire. Hey, ceux sont trop moqués de nous. Quand toi, tu es un Burkinabé, enlevez ça dans les yeux. Mais ils voient, ils ont fouté. Si nous, on gagne ici, là, ils vont se moquer de nos parents dans les pays. Voici l'esprit. Voici la mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai écouté le discours de Drogba. Drogba, excuse-moi. Tu es mon frère, mais ton discours là, c'était un peu trop léger. Tu t'en parles, les gars. Ici, là, c'est deux, hein. Vous devez ramener trois. On dit pas ça, Drogba. On dit pas ça. T'as dit, tu sais pas tenter de faire la Didier. Didier, qu'est-ce qui t'arrive? Faut te rechercher. Comment? Ici, là, c'est deux. Moi, vraiment, aussi, hein. Je suis allé chez mes points. Donne-moi point. Drogba. On dit pas ça. On dit pas ça à ceux-là. Ah, c'est les enfants, c'est nos petits frères. Tiens. Alors, les gars. Équipe nationale de Côte d'Ivoire, éléphant de Côte d'Ivoire. Bon. D'abord, même, je ne suis pas d'abord de bonne humeur, voilà.
Mais ça a 20 ans, 23 ans, mais qui a beaucoup parlé. Mais il y a une vraie vérité. Voilà. Moi, je ne vais pas vous soutenir dans la bêtise. Oui, non, non, vraiment, général, tu sais que tu es l'un des pleureux, ta voix porte, il faut encourager les enfants là. J'ai dit, ma momo dit, si moi j'ai encouragé quelqu'un, il n'y a pas d'encouragement. Quand tu jouais en club là, on t'a dit, il y a la Coupe des Nations d'Afrique. Tous les Africains, les féticheurs, les sorciers, les génies, les comiens, ils vont se retrouver au Cameroun. Au Cameroun, là, il y a un seul qui va sortir comme étant le roi de l'Afrique. Lion ne peut pas s'amuser devant un éléphant. Les gars, on est qu'à se dire un peu la vérité. Souvent, quand tu joues avec une petite nation, il faut que la nation te respecte. Sur le plan économique, la Sierra Leone ne parle pas et la Côte d'Ivoire. Non. Sur le plan palmarès, on ne parle pas. Donc, il y a les esprits des ancêtres aussi qui nous regardent. Les esprits de Luc Benio-Ruffien, Nieto Passagnon, qui nous regarde. Gadji Seli, qui nous regarde. Abouraï Traoré, qui nous regarde. Et puis on rentre sur le terrain. Et on s'en s'amuse. Deux. Et puis on sort. Comment on essaie de le marquer plus même. Le milieu des terrains, ils étaient où? Serendi était où? Crassé pied des enfants, ils peuvent avancer. Vous ne voyez pas comment le Cameroun joue? Le Cameroun bourre sur le terrain. Ils sont pas là pour s'amuser. C'est 90 minutes de massacre. 90 minutes, on meurt sur le terrain. On ne recule pas. Personne ne va vous encourager. On vient, on n'est pas là pour ça. C'est vous qui devez nous encourager. Pas la victoire. On a faim. Nos filles à 14 ans vont mourir. Et on se prostituer. On a faim. Le pays est bizarre. Tout augmente. On est nerveux. On a besoin de la douceur de la Coupe d'Afrique. Et dans ce que vous devez nous donner palpitation. Tout le monde est débat actuellement. Parce qu'on a les gens contre la Sierra Leone. Une petite équipe. Une petite équipe de quartier. Donnez ça à ceux qui nous ont. Ils tapent ça. On a des 15 jours de Milan AC. Mais respectez quand même les clubs où vous jouez. Quand vous allez retourner auprès de vos partenaires de club, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba. Mais ils vont se moquer de toi, monsieur le défenseur. Nicolas Pepe, tu as marqué un joli but. Oui. Ça, c'est bien. Bon but, félicitations. Mais Nicolas Pepe, tes collègues là, qui jouent à Arsenal, ils vont te dire, mais écoutez, pareil que vous n'avez même pas été capable de battre la Sierra Leone. Ils sont quels dans sur le plan FIFA. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous allez vous asseoir, vous allez vous dire quoi? Qu'on a fait matiner Sierra Leone. Ça, c'est palmarès, ça. Ça, c'est palmarès. Et puis on s'assoit, non, vous savez, il faut encourager les gars. Nous là, depuis qu'on est petit là, on connaît ça. Découragement n'est pas ivoirien. Éléphant, aïe aïe, on nous tape. Découragement n'est pas ivoirien. Éléphant, aïe aïe, on nous tape. Découragement n'est pas ivoirien. Éléphant, on nous tape. Dans ça là, des gens meurent de crise cardiaque. Vous pouvez pas donner un peu de joie en ce pays là. Ce pays où tout le monde est nerveux, politique a tout gâté. Je sais pas ce qu'on vous a fait. Nous on est qu'à arrêter ça. Les gens, et pour ça, les gens sont trop naïfs. Ils sont dans l'émotion. Match contre Algérie. Là. Algérie, c'est dans le problème. Hein. Algérie est dans le problème. Nous sommes dans le problème. Donc voilà, deux gars qui ont problème quand on s'est rencontrés. On est en train de nous faire jouer finale avant même 8e de finale. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on tapait cette équipe-là. On respire en paix. Contre l'Algérie, on met les petits remplaçants. On dit, allez-y. Voilà, allez vous détendre un peu, allez jouer un peu contre les Algériens. Voilà, même si vous faites un match, lui c'est bon. Maintenant là, on est condamné contre Algérie. On est obligé de faire sortir le grand jeu. On est obligé de jouer 90 minutes non-stop. Parce que la moindre erreur, on connaît les Algériens, ils nous ont dit à Mougou même. Ils nous ont Mougou même propre. Ils nous ont fait pleurer, on est rentré chez nous. Ça, là, on est s'amuser. Pénalty. Il est ici dépassé. Pénalty. On peut dire ça, c'est joli. Regardez ça, c'est joli. Les gens sont pressés. Même le longuet là, le gars long là, long clair long là, long là, on peut lui donner pénalty. Mais chacun veut avoir ses points. Nicolas Pepe ne doit tirer tous les pénaltys. Pays, c'est un gaucher, on sait que le petit les connaît. On a donné pénalty à un bon milieu offensif. Qui vient au bluffeur. Et qui nous rate un pénalty. On doit pas payer sa prime. Non, on ne paye pas ta prime. On ne paye pas ta prime. Je viens de menacer, on ne te paye pas ta prime pour ce match là. Mais t'as foutu la merde. T'as raté deux buts. Deux buts. Tu aurais pu nous donner la victoire. On fait pas ça. Faut qu'on te dise ça. Voilà.
Parce que les primes qu'on vous paye là, c'est notre argent. Donc on a le droit de dire au moins quelque chose. Si là, là, ça vous intéresse pas, je vais pas venir jouer au Coupe d'Afrique. Il y a des joueurs qui disent, eux, ils viennent pas jouer au Coupe d'Afrique, ils préfèrent rester dans leur club. Mais vous avez décidé de venir jouer. Vous avez décidé de venir mourir pour la patrie. Mourir sur le terrain. Mourir. Vous allez déjà contre. Algérie, là, vous allez déjà. Vous allez déjà contre eux. On est fatigué à la fin. Partagez-moi la vidéo et parlez un peu. On est tous dans l'émotion. On est toujours dans l'émotion. On est toujours dans l'émotion. Qui va aller regarder le match contre Algérie? Maintenant, on est en train de prier Algérie les capettes. C'est quoi ça? On est en train maintenant dans les calculs. Donc, vous avez calculé maintenant, si Algérie perd, et puis quand tu vas gagner demain, ou même si Algérie perd, que quand tu vas faire match nul, on est qualifié. Donc, il nous faut seulement un match nul ou une victoire. Calcul comme ça, là, ça amène défaite. Notre chance là, c'était Sierra Leone. C'est eux là. C'est eux, on devait enlever les calcules pour les mougou correctement, puis on y rentrer chez vous à la maison. Ici là, c'est pour les guerriers, c'est pour les champions. Aujourd'hui là, on a commencé à retrouver un peu notre équipe, mais c'était en première mi-temps. Regardez comment ils mettaient la personne en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'a plus vu la même équipe. Je ne sais pas quel est le démon, quel est ce diable, ce démon possessif qui rentre dans nos joueurs. Une fois qu'il rentre dans les vestiaires là, je ne sais pas c'est la musique de qui soit allé écouter là-bas. Quelle musique soit allé danser là-bas. Qui les a parlés là-bas. Et puis sort, ils n'attaquent plus. Le système de jeu a changé. Depuis qu'on change le système qui gagne, on a mis le système, on gagne. D1. On change le système là sur la base de quoi? Qui a demandé que le système là change? C'est pas possible. Entraîneur de Côte d'Ivoire là, ton mot diable même te dit ça en même temps. Toi là, c'est ton dernier compte. Hein. Coupe d'Afrique, on joue ici là. Si Drogba est élu président de la FIF là, toi on t'enlève. Hein. Mais toi quand on a ton visa, tu es un maudit, tu es pas quoi mais d'entraîner Côte d'Ivoire. Un comédien comme ça. Il entraînait quelle équipe? Mais quel est son palmarès même? L'entraîneur de la Côte d'Ivoire là. Un pays qui devient leader en Afrique. En s'en cherchant un comédien venu nous entraîner. Enlever entraîneur là même, on s'en fout de lui, il sort d'où même. Quoi entraîner, entraîner? C'est quel entraîneur ça? Un entraîneur qui ressemble à Styliste. Tu regardes son visage, tu as l'impression que c'est un acteur de Novela TV qui vient entraîner nous, notre équipe. Un entraîneur qui n'a jamais entraîné des joueurs d'Arsenal. Les joueurs de Manchester. On lui donne nos genoux ça. Lui va aller dire quoi? C'est Drogba qui est obligé de venir entrer. Attends, maintenant Drogba est venu sur toi un peu. Oui, non, il faut qu'il revienne sur toi. Voilà. Mais tu pars toi en bluffeur. Voilà. Hein, Didier. Voilà, c'est Makoso. Vous savez, moi, je ne suis pas normal. Quand ça pète dans ma tête, et puis moi, je dis, quand c'est pété. Au pays de gâté, c'est gâté. Didier, il faut parler aux petits, là. Il faut les dire. Maudia, là, c'est pas un jeu. Hein. Mais il faut pas, ils vont nous énerver, quoi. Voilà. L'année prochaine, c'est nous, on reçoit la Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'on prend profil, on vient ça à la maison. Et puis, on dit à tous les petits, venez repenser ça dans nos mains. Didier, faut dire le vrai nom. Petit est trop. Et quand tu es entraîné, eux. Pas dedans, entraîné, eux. Et puis, ils font 2-2. Donc, tu n'es pas bien entraîné, eux. Qu'est-ce que tu leur dis? Quand tu vas parler aux petits, là. Tes petits frères, ils vont les parler. Tu vas les parler. Serré Dieu, toi, tu as changé, hein. Serré Dieu, ton mot dit à Serré Dieu, tu as changé, hein, Serré Dieu. Serré Dieu, toi, tu n'étais pas comme ça. Serré Dieu. Parmi toute l'équipe de Côte d'Ivoire, on te connaît comme étant un guerrier homme de vérité. Où est passée ta vérité? Vous êtes putain de maître, vous êtes au Cameroun. Oui, les Camerounais sont les plus grands moqueurs. Ils vont se moquer de nous. C'est le dire, qu'est-ce qu'il y a? Faut parler à tes petits frères là. Et même pas par exemple, c'est Max Gardel qui a perdu son père, mais qui est resté là-bas pour mouiller le maillot pour la patrie. Ah, Max Gardel, que Dieu te bénisse. Max Gardel, que Dieu te bénisse. Et ils ont perdu qui personne. Au moins, peut regarder Max Gardel pour dire, ah, champion, pour toi seulement, nous, on se bat. Au moins, il y a quelqu'un qui a perdu. Eh, la go, équipe nationale de Côte d'Ivoire. On ne peut jamais compter sur eux. Ça, là, depuis qu'on est petit, on nous a toujours dit ça. On ne peut jamais compter sur eux. Didier, pardon. Fais à cause de Dieu, pardon. Faut ouvrir ta bouche. Faut dire les vrais noms. Faut dire les gars, c'est foutaise ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je vous dis ça. C'est foutaise. Rappelez-vous de Samuel Eto'o. Il jouait la finale Barcelone contre
tu peux le dire, Arsenal, Ligue des Champions. Et ils étaient en train de perdre. Samuel Eto'o s'est levé devant les, comment il s'appelle, les, comment on appelle ça, les Ronaldinho. Samuel Eto'o s'est levé devant les grands de, comment on appelle ça, Barcelone. Il est là, gars. Perdre contre Arsenal, c'est inadmissible. Parce que nous sommes le Barça, un grand club. Avec tout le potentiel qu'on a, perdre contre Arsenal, c'est la pire injure qu'on puisse donner à notre club. Il a fouetté leur orgueil. Nous sommes la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba, le pays de Yaya Touré, le pays de Kolo Touré, le pays de Baki, le pays d'Aouna Dendamé. Vous ne pouvez pas vous foutre de ce pays-là. Merde! Réveillez-vous! Vous demandez quoi? C'est quoi ça? Vous demandez là? Vous allez insulter nos héros? Professeur! Le pays d'Abdoulaye Traoré! Le pays de Kadi Sali! Le pays de Laurent Gbagbo! On vous demande quoi? Hey! Vous allez remporter le couple. Wallah, vous avez pris un coup là pour amener ça à Abidjan. Vous n'avez plus le choix. On vous a regardé, hein? On vous a dindé. Tous les influenceurs là, ils ont donné conseil. Les gars, n'attaquez pas l'équipe. Laissez l'équipe là, encourageons-les. Mais quand il y a les déclenchés, quand il y a révélé les génies, les lolo beautés, les yaka yaka, les... Yéli, on va vous jongler par là. Vous allez courir, n'allez rien comprendre. Prenez exemple sur le Cameroun. Votre rival là s'appelle le Cameroun. Votre concurrent direct s'appelle le Cameroun. C'est les Lions. Il y a Samuel Eto'o qui est président de la FIFA Foot et à Didier Drogba, futur président de la FIFA. Voici la compétition qu'elle a. Votre adversaire n'est pas le Burkina, n'est pas le Sénégal. C'est vos petits. Prenez-la comme vos petits. Et vous visez le Cameroun. Vous devez faire dormir le Cameroun. Pas dans cette Coupe d'Afrique. Le Cameroun a dormi à 15 heures. Vous allez vous amuser à ça? Quand il me dit qu'on m'a causé comme toi, mon général, ton monde vient de me calmer comment? On vous parle de l'honneur d'un pays. On vous parle de la grâce d'un pays. On vous parle de notre avenir. L'année prochaine, on reçoit la CAN. On va être éliminé au premier tour. Au premier tour. Et quand on dit l'année prochaine, on va gagner quoi? Il est actuellement, mes génies ne sont pas encore bien levés. Venez ici. Venez ici. Et là, vous ne me voyez pas bien. Là-bas aussi, il fait son bien. Bon, rendez-vous à 20h30. Il est quelle heure même? Il est 18h. Hein? Allez vous laver, les gars. Chargez vos téléphones. Voilà. 20h30 même, c'est petit. 20h30, c'est petit. Il est quelle heure? 19h, 20h, 21h. Le rendez-vous, c'est à 21h. Et à 21h, je vous fais passer une information très importante. Voilà. Quelqu'un dit quoi, Ko? Sénégal, même oublions. Non. Là-bas, il n'y a pas d'équipe. Hein. Moi, là-bas, c'est une seule équipe qui m'attend. C'est Cameroun. T'as dit, je joue plus, c'est Cameroun. Cameroun, Cameroun, Cameroun. Finale, Côte d'Ivoire, Cameroun. Il dit, Abidjan va se vider. Il dit, nous tous sommes payés billets d'avion. Direction Yaoundé. Yaoundé, on arrive. Mais il dit, on dit premier tour, Côte d'Ivoire, elle rentre à la maison. Mais quand elle gâte, mais toutes les Camerounaises qui sont là-bas, elles prient Dieu pour que la Côte d'Ivoire aille en finale. Même les Camerounais prient pour qu'on aille en finale. La Côte d'Ivoire, la vraie finale. Et puis ici, là, à Côte d'Ivoire, on prend au moins 40 ou 20 avions direction Cameroun. On dit le pays de d'Alassane Ouattara arrive. Poum, poum, poum. Les Camerounais nous regardent. Vous êtes venus vers quoi ici? Et nous, on est vous. Samuel Eto'o assis. Drogba assis. Les gars tapent les mains, lèvent les mains. Le président Ouattara assis. Le président Paul Biya assis. Les deux lèvent les mains. Côte d'Ivoire, Cameroun, finale. C'est ça là, les petits là veulent gâter. Hein. Ils veulent gâter ça, ils veulent gâter nos rêves. Nous, on a des ambitions. Et puis, eux, ils ne veulent pas réaliser nos rêves. Ils ne veulent pas réaliser nos ambitions. Ces matchs-là, vous n'avez pas bien joué. Vous n'êtes pas allé à un tournoi. Vous êtes allé à une compétition. Et dans cette compétition, match nul n'est pas victoire. En temps normal, vous devez mettre votre tête. Vous avez combien de matchs à jouer? Et tous les matchs devaient être victoire, victoire, victoire.
Ce soir, à partir de 20h, dans la salle de à partir de 21h, je répète, à partir de 21h, soyez connectés sur ma page. Ma page, elle est restreinte, hein, mais soyez connectés dessus. Je vais donner un message à ces éléphants. Parce qu'il faut un Makoso pour les parler. Moi, dans le vestiaire, si Modia n'est pas sorti de ma bouche, c'est que ce n'est pas Makoso. Si, celui qui est fâché, les gars, pensez pareil, les gars, quand je suis dans la maison, on s'en fout de lui. Les jeunes talents ivoiriens, les footballeurs ivoiriens, il y en a des milliers dans le monde. C'est parce qu'on n'a pas encore lancé un vrai répertoire pour rechercher tous ces talents-là. Que certaines personnes veulent penser que sans eux, il n'y a pas équipe nationale. Pour l'instant, là, ce n'est qu'un vêtissement. Mais on revient sur ça à partir de 21h. À bon entendeur, salut. Maintenant, ceux qui ont partagé la vidéo-là, que Dieu les bénisse. Quelqu'un n'est qu'à s'amuser avec la paix de la patrie. Côte d'Ivoire, on a trop pleuré pour cette équipe nationale. On pleure depuis des années. À un moment donné, on ne veut plus pleurer. Et on veut être fier de notre équipe. Mais on ne peut pas être fier d'une équipe qui va jouer comme une équipe ton. Comme une équipe ton. Sierra Leone, c'est une équipe ton. Ce n'est pas encore une équipe. C'est des plaisanteries en matière de football. Il faut respecter la hiérarchie footballistique. Sierra Leone, ce n'est pas notre camarade. C'est nos petits frères. Parce que nous jouons là. Là où ils jouent là, c'est là où ils ne jouent pas là-bas. Ce qu'eux voient là, c'est là où ils ne voient pas. Ils jouent Cristiano Ronaldo. Le joueur jouait c'est là où on a vu Cristiano Ronaldo. Il va s'évanouir. Nous, je les jouais lui. Les pépés là, ils jouent contre lui. Tous les week-ends. Et puis on venait jouer Sierra Leone. Faut plus jamais vous allez manquer de respect à ce pays-là comme ça encore. N'importe quoi. Les gars, à 21h, laissons Algérie jouer. Maintenant, à 21h, on fait le règlement des comptes. Peut-être même vous donner même la parole. À bon entendeur, salut.